Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette deuxième partie du tutoriel Muzzle Flash. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille de regarder parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas être expliqué, qui a été déjà expliqué en fait, auparavant. Et en fait, cette chose en question, c'est la lumière. Vous voyez sur ma vidéo que là, que je viens d'apporter, on va commencer là d'ailleurs, j'ai déjà mis la lumière au moment du tir. Et pour faire la lumière comme sur la vidéo, c'est-à-dire en une seule image, ce qui est quand même assez fort, bah, vous devez vous référer à l'ancien tuto. Voilà, à la première partie. Sinon, vous n'arriverez pas à refaire ceci. Voilà, donc moi je continue à partir de là. Donc j'ai fait la même chose que dans le premier tuto, mais avec un fusil à pompe. Et ensuite, on ne va pas utiliser ces muzzle flash là, ou encore celui-là. On va utiliser un muzzle flash qui est fait spécial pour les fusils à pompe, c'est-à-dire celui-là. Il est fait spécialement pour les fusils à pompe. Alors on va le prendre en entier. Quoique, peut-être pas. Ouais. Et on va le mettre au moment où la lumière apparaît. Sachant que le muzzle flash fait également qu'une seule image. Image dans image. Voilà. Alors là, on va peut-être changer la couleur parce que, bon, question couleur, c'est pas top. Là, on augmente la luminosité par exemple. On diminue un peu bleuté. Et bah. On pas fait de luminosité. Enfin, je vais le faire après. Déjà, vous avez positionné votre muzzle flash sur le canon du fusil à pompe. Voilà, je vais peut-être l'agrandir un peu pour voir l'outil. Et une fois que vous avez réussi à placer votre muzzle flash sur le canon, comme ceci, et bien vous allez éventuellement changer la couleur de celui-ci donc, et la luminosité, donc augmenter le contraste. Diminuer le bleuté, augmenter la luminosité, puis voilà. Bah, je crois que c'est tout. Ah oui, peut-être aussi l'exposition. Voilà. Ah, c'est pas mal. Un peu moins. Voilà. Non, oui. Voilà. Donc, une fois que vous avez, donc vous jouez un peu avec les paramètres, hein, vous faites un peu comme vous avez envie, mais une fois que vous avez réussi donc à choisir votre fusil à pompe, le muzzle flash, et ben là on a un deuxième problème qui se pose, c'est que dans les fusils à pompe, quand on pompe, voilà, quand on pompe, il y a une douille qui sort, et là il n'y a aucune douille. Donc la douille, on va également la rajouter. Voilà, les trucages vidéo sont absolument partout comme quoi. Alors oui, il y a un effet dans Footage Crate qui existe, vous pouvez télécharger, comme tous les autres d'ailleurs. C'est cet effet-là, donc l'effet d'une douille qui vole. Voilà. Donc vous allez prendre cet effet. Donc on va le prendre. On prend un tuyau, c'est bon. Voilà. Et on va le mettre placer au moment où on commence à pomper. C'est-à-dire ici par exemple. Voilà. Et là on fait image en image, comme d'habitude. Donc vous replacez votre effet et vous essayez de viser le trou qui est juste là, là, le trou du fusil à pompe. Où sont censés sortir les douilles. Voilà, on a bien mis dedans là, c'est super important. Zut. D'accord, bon, attends, excuse-moi, parce que j'ai pas pris le début. Ouais. Bon, vous pouvez aussi aller dans le faire quelques petits rognages si jamais vous avez des problèmes. Si vous avez des problèmes pour placer votre effet correctement. À cause du coin de l'écran. Enfin, bref. Voilà, enfin, vous placez comme vous pouvez, hein, le mieux possible. Et une fois qu'il est. Bon, on va dire que c'est bon là. Voilà. Et une fois que c'est bon. Ouais. Donc, zut. Alors attendez, moi j'ai pas encore pompé au moment où la douille sort, donc faites bien en sorte aussi que ça soit au moment où vous commencez à pomper que la douille sort. Hein. Faut pas qu'elle sorte au moment où vous n'avez même pas encore pompé, hein. Ça serait un peu bête. Donc, pour ça, je vais aller dans les larges plans, j'en enlève un petit peu à droite. Voilà. Et je décale mon muzzle, enfin la douille un peu. Voilà, comme ça. Et là, normalement, c'est nickel. C'est nickel chrome. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai réalisé l'effet du fusil à pompe. Donc on a la douille qui sort au moment où on pompe et on a le muzzle flash avec de la lumière. Voilà, tout est nickel.
Donc ce tutoriel est maintenant terminé, bah, j'espère qu'il vous aura plu. Maintenant vous allez pouvoir faire pas mal de films d'action avec tous ces Muzzle Flash, voilà, diverses sorts, je vous ai à peu près tout appris sur les Muzzle Flash. Et donc voilà. Donc si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, et sinon, ben bah, je m'en fous. Voilà. Donc salut tout le monde!